Yo, toute nouvelle vidéo. Avant toute chose, je vous souhaite un joyeux Noël. J'espère que ça s'est bien passé avec votre famille. Alors, on débute tout de suite par composition PSG vs Strasbourg. C'est composition probable parce qu'on ne sait pas s'il y a Neymar, Marquis et Mbappé qui sont venus du mondial, s'ils vont jouer ou pas. Mais on va voir sur la composition. Alors, on va commencer par le goal strasbourgeois, Cels, qui est fort. Liénard, défenseur gauche, il est beau, je l'aime bien. Marchand, avec Niazi, avec Perrin. Oh, c'est l'ancien. Le mec avait taclé Mbappé avant de quitter Saint-Étienne. Et Pierre Gabriel, qui est fort, je crois aussi. Alors, milieu de terrain, ils vont jouer en 5-3-2. Thomasson, Persic et Bellegarde. Et après, attaquant, Gamero et Ajorc. Il faut se méfier d'eux parce qu'ils sont forts en ce moment. Certes, ça marche pas. Attendez, petit problème technique. J'ai pas la composition du PSG. Tac. Alors, au goal pour le PSG, Donnarumma. Je l'aime pas, mais voilà. Ils vont jouer en 3-4. 3-5-2. Je crois. Ouais. Avec Hakimi, défenseur gauche. Marquinhos, Ramos, toujours pas de Kimpembe. Bernat. Ah oui, Nendo, il est blessé, c'est vrai. Verratti, milieu terrain, accompagné de Fabian Ruiz. Et accompagné de Vitinha, qui était très fort avant le mondial, est-ce qu'il va être aussi fort? On verra. Avec Carlos Soler, qui n'a pas joué le mondial, je crois. Et avec Neymar et Mbappé. Donc voilà pour cette composition. J'espère qu'on retrouvera des Parisiens très bons. On les a pas vus depuis un mois et demi. On avait gagné le dernier match. Donc voilà. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo demain. Ah bah non! Jeudi réaction. Donc voilà, je vous dis, allez, ciao!